de se retrouver en demi-finale, la tête de Varane. Il reste 2 minutes. 2 petites minutes. Et boum. Il n'a pas pu l'emmener ce ballon, Ousmane Dembélé. Et à la 95e, Olivier Giroud est en train de rongueuler Raphaël Varane en lui disant mais j'ai été mieux placé. Oui, mais ça montre, c'est des signes positifs. La preuve, encore cette course pour aller perturber Mousselera. Ce sont des signes positifs que, collectivement, individuellement, cette équipe de France-là, elle a beaucoup d'armes, elle a beaucoup de visages possibles, elle sait s'adapter. Ah, mais là, elle s'est super bien adaptée. Oui. Elle a deux profils, mais complètement différents. L'Argentine, l'Uruguay. Et le prochain, de toute façon, commencera par un B. Il s'appellera le Brésil, il s'appellera peut-être la Belgique, qui sait. Rendez-vous ce soir. Oui, rendez-vous ce soir, bien sûr, sur TF1, rendez-vous dans le mag, parce qu'on va évidemment parler dans quelques secondes et revenir sur cet après-midi de Nijni Novgorod, revoir tout ce qui s'est passé autour de Denis. Et voilà, les supporters de l'équipe de France peuvent jubiler. Attends, mon gars. Et on va profiter tranquillement. Moi, je suis jamais tranquille avant la dernière seconde. Il reste 45 secondes, quoi. Mais c'est jamais gagné. En plus, là, les Uruguayens, ils attaquent, là. Non, allez, pas une tâche. Putain, 30 secondes. S'il vous plaît. Allez, ils ont dit. Ouais, Lloris, c'est bien, Lloris. 20 secondes. Allez, 5, 4, 3. Bravo les gars, c'est bon, demi-finale, terminé. L'équipe de France est en demi-finale de la Coupe du Monde, la 6e de son histoire. Bravo messieurs, rendez-vous à Saint-Pétersbourg, mardi soir. Ce sera à 20h heure de Paris et ce sera face au Brésil, peut-être, face à la Belgique, peut-être. Ce sera en tout cas avec la France d'Antoine Griezmann. Il fallait les sortir, il fallait sortir ces Uruguayens. Qu'est-ce que vous voulez, scénario parfait. Cavani a beaucoup manqué, mais on a fait un bon match, sérieux, solide. Le mieux c'était que. Je sais pas pourquoi, alors avant le premier but, à un moment dans ma tête, je me suis dit Varane va marquer. Je sais pas pourquoi. Peut-être une vengeance du fait qu'il avait provoqué un coup franc en quart de finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne. Il vient de se rattraper en marquant. Et que Griezmann marque, c'est super pour lui. Parce que depuis le début, ça a été très difficile. Même si là, il sortait un bon match. Super. Mais là, maintenant, ce qui nous attend, c'est Belgique ou Brésil. Bon. De toute façon, là, on tombe que contre des monstres. Et la victoire en sera que plus belle lorsqu'on arrivera au bout. Avant de terminer, je tenais juste à dire que aujourd'hui, j'écoutais un débat à la radio de personnes qui disaient c'est dommage que les Français et tout, ils osent pas exhiber leur drapeau français et tout ça. Et en fait, je trouve ça dommage qu'en fait on soit aussi frileux et qu'on ait aussi peur. Mais en fait, je le comprends pourquoi. C'est parce que Et c'est dommage d'ailleurs d'avoir cette mentalité-là, c'est-à-dire qu'on se dit « Bon, on va pas trop se mouiller, on va pas soutenir l'équipe de France trop intensément avant qu'on soit trop loin dans la compétition, parce que si on exhibe notre drapeau, notre joie, le fait qu'on supporte l'équipe, si on perd, les autres ils vont nous chambrer, ah là là, t'as supporté l'équipe de France, regarde, ils se sont fait éliminer comme des grosses merdes. » Je suis désolé, mais moi j'ai envie de soutenir l'équipe de France, mais de bout en bout. Et j'ai pas envie de retourner ma veste indéfiniment en disant bon je suis heureux que si on gagne et puis bah si on perd je dirais bah je vous l'avais dit. Vous voyez, c'est cette mentalité là que j'aimerais bien qu'elle change un peu, mais je sais très bien que je me bats contre un truc complètement impossible. Bref, je vais profiter de la victoire, vous m'en voulez pas. Voilà. Je vous ai fait la vidéo et je suis toujours bien content de vous partager mon avis. Je dis pas grand chose, j'en ai bien conscience, mais c'est juste. Voilà, moi je suis pas un critique de foot, je suis pas un supporter à donf à exhiber le drapeau ou à aller dans les stades ou quoi que ce soit. Mais je veux juste marquer ma présence et dire que je suis là pour l'équipe de France.
et pour tous ceux qui apprécient me suivre et m'écouter. Voilà, je vous laisse. Retournez bien à vos occupations, fêtez bien la victoire et ciao à tous. Et bravo à cet homme-là aussi.